Valérie, je n'ai pas reçu de lettre de toi depuis 2 semaines. Les services postaux les ont-ils perdus? Ou alors es-tu mort? Ça au moins, ce sera une bonne excuse. Non, Sacha, je ne suis pas mort. Au grand dépit de ton père, probablement. Nous ne cessons de bouger et trouver quelques minutes de paix pour écrire est presque impossible. Père pose des questions à ton propos. Je crois qu'il est vraiment inquiet. Mais je sais que tu ne me croiras pas. Parfois, je me dis que tu ne crois rien de ce que je dis. Ton père aimerait le neveu de Vladimir, Nikolai. Son zèle et son idéalisme ont quelque chose de mystique. Pauvre garçon, il comprendra un jour. Comment va ce bon vieux Vladimir? Tu sais que je le respecte infiniment. Mais demande-lui de mettre les bouchées doubles et de gagner la guerre. Le rationnement me tue. Bien sûr. Je vais demander à Volodya de gagner cette guerre dans la minute. Pas de problème, ma chère. Écoute, Vladimir. Il a un embryon de morale comparé à toi. Et ne t'avise pas de mourir. Je n'aurai plus personne à harceler. Bien à toi, Alexandra. Hier, les usines du Sud ont fait savoir que le niveau de production excédait de loin les quotas du plan quinquennal. Le secrétaire général a fait savoir sa fierté d'être le responsable d'un peuple aussi travailleur. Nous avons appris hier également qu'une escarmouche a eu lieu sur notre sol contre des infiltrés de l'OTAN, lesquels ont vite été chassés. Nous étions toujours en Norvège quand nous avons entendu les nouvelles. Plusieurs bataillons de l'OTAN avaient été parachutés dans notre pays. Et je crois que nous avons tous été secoués d'entendre ça. Notre image de l'invulnérable mère patrie s'effondrait. Le capitaine Malachenko fit vigoureusement savoir qu'il couvrirait le sol du sang des salauds de l'OTAN qui violaient notre patrie. Le colonel tâcha de nous calmer et nous dit que le bain de sang viendrait bien assez tôt. Mais la rage nous tenait toujours au moment d'embarquer dans les avions pour rentrer chez nous. Détermination et soif de vengeance occupaient tous nos esprits. Environ Dolenogorsk, 16h. S'ils étaient ici il y a une demi-heure, alors ils ne vont pas tarder à arriver. Compris? Romanov doit se mettre en route Tomarich tout de suite. Tomarich Polkovnik! Quoi? Un message. Maintenant? Soit. De quoi s'agit-il? Kolia, c'est votre femme. Masha? Elle... Что? Elles sont mortes, Kolia. Elle... et votre fille. Tué hier quand les Américains ont bombardé Serebriansk. Je suis vraiment désolé. Désolé? C'est la guerre. Elles sont mortes pour la patrie. Elles sont mortes pour le socialisme. Je suis fier. Vous avez toutes mes condoléances. Je ne veux pas de compassion. Je veux des chefs qui aient le courage d'empêcher l'OTAN de nous envahir. Kolia, nous avons à combattre un dur adversaire. Alors nous devons être plus forts. Camarade colonel, nos éclaireurs rapportent l'arrivée d'hélicoptères OTAN. Mais où est Romanov avec les Chilka? Kolia, je peux compter sur vous. Qu'il vienne, mon oncle. Qu'il vienne. Bien, vous voilà enfin. Qu'est-ce qui vous a retenu, Romanov? Ici Malachenko. Il se passe quoi au nord? Aux dernières nouvelles, l'OTAN avançait vers notre base navale près de Polyarny. L'attaque de ce camp semble participer de la même offensive. Odbliotki. Nous allons les repousser où qu'ils attaquent. Malachenko terminé. Lieutenant Romanov, je veux que vous preniez la tête de la section d'artillerie. Nous avons repéré plusieurs groupes de reconnaissance ennemis cachés dans la forêt, et nos hélicoptères les cherchent en ce moment. On
peut lancer un barrage d'artillerie. Les hélicoptères vont marquer les positions ennemies. Tirez sur toutes les unités qu'ils trouveront. Sokol 1 terminé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour attaquer bâtiment occupé ou les zones fortes sur le Tonga. Éclaireur ennemi repéré. F. Attendez, faux. Soutien lourd disponible. Coordonnées confirmées. Bon, on reprend cette arrêt la dernière fois, c'est-à-dire maintenant on est passé du côté de l'URSS. Et nous sommes à tête de la compagnie d'artillerie. Nous avons des mouvements à l'orée du bois. D'artillerie lourde. On met le barrage en place. Vous êtes 7 ici Troïka, les éclaireurs autant ont été localisés. Joli tir, lieutenant. Mais il y a d'autres éclaireurs ennemis par ici. Composé de 5 pièces de Malka. Malachenko, j'ai des tirs de mon pied. Il doit y avoir des artilleurs de l'OTAN avec ses éclaireurs. Tovarich, comment dire ? Ennemis d'Yon en redéploiement. Donnez-nous seulement des coordonnées. Où voulez-vous une défense ? On s'est mis en route, Tovarich, comment dire ? Vous voulez un barrage d'artillerie ? Tovarich, comment dire ? Encore des obus ! Éliminez ces éclaireurs ! Bon, ça aura pas suffi. Malka sont occupés de ses obusiers de 203 mm. Bon, c'est artillerie un peu standard. Bien joué. La plus importante. Nous avons rendu sourds et aveugles. De l'URSS, excusez-moi. Quand l'assaut commencera, ils cibleront votre artillerie, Romanov. Vous devez la défendre. Sokol 1, terminé. Ah, c'est les pions qu'on a. Non, c'est pas les Malka, excusez-moi. L'attaque de l'OTAN est imminente. Le capitaine Malachenko tiendra le périmètre extérieur, mais vous devez le soutenir avec des tirs d'artillerie, Romanov. Nous ne devons pas perdre. Nous tirerons des fusées d'alarme pour signaler une attaque imminente, lieutenant. Plusieurs fusées indiqueront une attaque massive. Malachenko terminé. Faut savoir qu'un pion ou un Malka, ça ne prend pas la même chose. Le Malka est l'évolution du pion. Donc voilà. Ici Malachenko, les unités de l'OTAN attaquent du nord. J'ai besoin de tirs de soutien immédiatement. Vous savez quoi faire, Romanov. Donnez au capitaine Malachenko tout le soutien dont il a besoin. Voici la mission que Romanov, j'aime moins. Entre votre artillerie et mes chars, il ne restera bientôt plus rien de ces éclaireurs de l'OTAN. Bien. Si nous les clouons au sol, nous aiderons nos camarades de Poliarny. S'il n'est pas déjà trop tard. Ici Malachenko, je vous tiens pour personnellement responsable de tout tir fraternel, Romanov. Tirez sur l'ennemi, pas sur nous. Le lieutenant sait ce qu'il fait, capitaine. Je l'espère. Malachenko terminé. C'est la mission que j'aime moins du côté de l'URSS, étant donné qu'elle est assez longue. Bon, rien d'intéressant, je suis pas contre. Bon, et plutôt long quand même, pas grand chose. Cible reçue. Attaque. Cible touchée. On a eu l'ennemi dans la zone. Donc voilà, les pièces d'artillerie, inventant en fait ces pièces d'artillerie comparées à celles de l'OTAN, c'est qu'elles tirent souvent, donnent une très bonne chance de tir, font assez de dégâts, mais c'est pas des grandes salves de roquettes comparées à ceux de l'OTAN. Ils attaquent à nouveau. Continuez à tirer, lieutenant. Une seule, ouais, c'est L'OTAN va utiliser de la contre-artillerie pour essayer de vous détruire. Ne restez pas sur place. On vous tire dessus, Romanov. Changez de position. Donc on bouge l'artillerie. Bon, attaque massive, là vous voyez, il y a deux. J'ai ordonné que les prisonniers soient conduits aux abris. On les y gardera jusqu'à la fin du combat. Ici Malachenko, pourquoi on n'exécute pas ces prisonniers et on n'en parle plus ? Parce que nous valons mieux qu'eux. Et nous le prouverons en épargnant nos prisonniers. Je ne sais pas, il faut se concentrer sur celle-là, j'ai déjà échoué une fois tout à l'heure. On faisait une petite erreur bête.
échoué un objectif secondaire, pas un objectif principal, je vous rassure. Donc j'essaie de me concentrer un peu. Donc apparemment on a appris que la femme de Kogat est morte. Ah, ce que j'en ai déduit, c'est apparemment les civils qui auraient tué Bannon, qui auraient tué la femme de sa femme. À confirmer, mais si je me trompe pas, ça doit être ça. Ne les laissez pas fuir, Romanov. Ils attaqueront de nouveau. Vous devez tenir aussi longtemps que possible. Ne vous inquiétez pas, Sokol 1. Plus ils en enverront, plus nous en tuerons. Je sais, j'ai dû anticiper, pas besoin de me dire. Les unités de l'OTAN attaquent du sud. On a besoin de tirs de soutien, Romanov. Cible touchée. Bien, Sokol 1. J'ai reçu un rapport indiquant que nos camarades ont remporté une victoire éclatante près de Poljarny ce matin. Les assaillants de l'OTAN ont été détruits et la base navale est sauvée. Alors nous allons finir le travail ici et apprendre à l'OTAN une bonne fois pour toutes de ne pas mettre le pied chez nous. Je ne suis pas sûr de l'absolue exactitude de ces rapports, capitaine. Peu importe. Tous les soldats de l'OTAN présents ici vont mourir. Balachenko terminé. Donc, bien évidemment, les Russes, comme leur habitude, mentent encore un petit peu plus, hein, étant donné que la base navale de Poljarny, c'est celle qu'on a exposée à la mission précédente avec les troupes de l'OTAN. Donc. Tire en approche, Romanov. Changez immédiatement de position. Tovarich commandir, on y va. Affirmatif. Déplacement. Je suis à l'écoute, Tovarich commandir. Chica, bientôt en position. On est prêt à frapper. Cible touchée. Nous pouvons bien pris. C'est bon, en fait, je me méfie toujours parce qu'un coup ça m'est arrivé en fait de dépasser, mais que les tirs d'artillerie prennent une nouvelle position. On va essayer. Coordonnées confirmées. Tovarich commandir. On a besoin d'or. Coordonnées confirmées. Relax. Coordonnées touchées. Ennemi éliminé. Affirmatif. Rapport de charge programmé. Terminé. Bon, je constate que la mission n'est quand même pas dure, dure. Pour l'instant. Ils attaquent à nouveau. Continuez à tirer, lieutenant. Alashenko à Sokol 1. On a une estimation des forces ennemies. D'après le deuxième bureau, au moins un bataillon. Comme du monde, hein. Crave les Bragriotes. On devrait flinguer ces amateurs pour fournir des informations aussi erronées. Il y a au moins un régiment ici. Je suis d'accord. Surveillez-vous, capitaine. C'est un canal général. Je m'en fous. Comment peut-on mener une guerre quand on ne peut pas compter sur nos propres troupes? Ça suffit. Concentrez-vous sur le combat. Sokol 1, terminé. Ah mince. Bon, faites gaffe, gars. T'as tapé la montagne. Ils envoient des hélicoptères pour détruire l'artillerie, Romanov. Utilisez vos Chilka pour les contrer. Mais bien évidemment, hein. Je crois qu'ils apprécient pas trop mon artillerie. Hein. Coordonnées confirmées. Soutien lourd téléphonique. Coordonnées, Tovarich commandir. On est prêt à frapper. On lance le barrage. On a détruit la cible, Tovarich commandir. Vous avez besoin de décès à moyen. Ils battent en retraite. Merci, lieutenant. Donc, T pour stop. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas encore abandonné. Attendez-vous à de nouvelles attaques à tout moment. Bien évidemment, ils attaquent des deux côtés. Nous avons déplacé l'OTAN en approche du nord. Mes hommes au sud ont repéré d'autres ennemis en déplacement. Ils vont attaquer des deux directions à la fois. Tenez aussi longtemps que possible et allez vers les positions de défense alternatives à mon commandement. Ça c'est une logique de base dans les jeux vidéo. Vous avez plusieurs endroits à défendre. Vous défendez déjà par seul chaque côté, puis d'un coup vous devez tout défendre. Toujours pareil. Attention, obus d'artillerie en approche, Romanov. Sortez vos unités de la zone d'impact.
Utilisez vos canons, Romanov. Notre périmètre grouille d'ennemis. Ils viennent du nord et du sud. On va mettre 3 là parce qu'au nord c'est plutôt bon. Oui, au nord vous avez même plus besoin des. J'ai tellement bien fait le nord que je peux tout concentrer dans le sud. Il y a quasiment plus de troupes. Voilà. Donc alors, comme certaines personnes ont remarqué, j'ai une même vidéo avec la rang que j'utilisais. J'aimerais bien en fait avec la rang, ça demanderait un peu de temps minimum pour avoir servant. Mais j'aimerais essayer d'économiser pour essayer de vous acheter un boîtier d'acquisition HD 720p pour pouvoir vous filmer certains jeux que j'ai sur ma PS3. Étant donné que c'est pas du tout donné. D'autres hélicoptères de l'OTAN ont été repérés. Placez vos Shilka de façon à ce que l'artillerie soit protégée. Étant donné que ces boîtiers d'acquisition sont quand même assez chers, je vais utiliser l'argent là pour ça. Hein. Je vous utiliserai peut-être aussi l'argent que là-dessus, par exemple, pour peut-être certains cadeaux, certains jeux. Donc voilà, mais j'utiliserai, je pense, principalement pour ma chaîne YouTube. Pour fournir. Ils envoient d'autres hélicoptères contre vous, Romanov. Voilà, ils sont barricadés sur une position. Bombardier OTAN en approche. Battez en retraite, Malachenko. Maintenant. Un artillerie. J'ai pas eu le temps de voir c'était quoi comme avion. Si jamais il y en a un qui a réussi à remarquer c'était quoi comme avion, nous allons sur les positions de défense alternatives maintenant. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir ici, Sokol 1, déplacez vos unités vers les entrées de la carrière. Nous nous défendrons là-bas. Compris. Je redéploie mes unités. Malachenko terminé. Besoin de soutien, hein. Donc, ouais. On arrive dans la deuxième... Ça se passe dans 3 phases, cette mission. On arrive à la deuxième phase de la mission. La deuxième phase, ça passe plutôt tranquillement aussi. Hein. C'est la troisième phase où il y a un succès, où il y a un objectif secondaire qui est assez embêtant. Qui dit plus près dit meilleure précision, bien évidemment. Cible reçue. Mais bien évidemment, les tirs d'artillerie vont arriver à ce. J'engage les unités de l'OTAN dans tout le périmètre. Demande tir de soutien. Bon. Bon, c'est plutôt bien défendu pour l'instant. Hein, j'ai réussi à détruire la première vague ennemie. Et là maintenant vous en détruire les unités là, étant donné qu'elles bougent pas. J'ai besoin de plus de tirs de soutien. L'OTAN lance une nouvelle attaque. Alors, recercle R, c'est à portée minimum. C'est de bonnes nouvelles.
Nos camarades de l'aviation légère daignent nous envoyer des hélicoptères en soutien. Romanov, je veux que vous dirigiez ces hélicoptères pendant que je m'occupe des tirs d'artillerie. Déplacez vos unités vers le point de rendez-vous. On peut lancer un barrage d'artillerie. On rejoint la position de l'hélicoptère. On y va. Où voulez-vous une défense à l'Inch Commandis? Enfin. Par contre, je vais faire une sauvegarde au cas où, sauvegarde automatique, ça me va. Au coup que je me fais comme vous avez fait un excellent travail avec cette batterie d'artillerie, lieutenant. Montrez le même sens tactique avec les hélicoptères. Ends en droit des Mi-24 VP. Donc nous vous revoilà. Avez fait un excellent travail avec cette batterie d'artillerie, lieutenant. Montrez le même sens tactique avec les hélicoptères. J'ai dû encore rejouer la sauvegarde parce que j'étais encore victime d'un bug par rapport à un objectif secondaire. Vous avez gardé tous vos canons intacts, lieutenant. Excellent. Je me disais pourquoi l'objectif secondaire bug. Tenter autrement. Ils se reproduisent comme des lapins, ces soldats de l'OTAN. Il y en a partout. C'est pour ça en fait que j'aime pas cette mission, parce que voilà. J'ai déjà chargé 3 fois, j'ai déjà fait 4 fois en fait cette mission. Plutôt la troisième partie de cette mission quand on nous commande des hélicos. Et à chaque fois, j'ai le bug avec un des objectifs secondaires. Donc ça commence un peu à me prendre la tête. Hein. Mais bon. Ils attaquent dans tout le périmètre. Utilisez tous les moyens nécessaires pour les garder à distance, Romanov. Bon, on appelle encore un hélicoptère lourd, je vous conseille bien évidemment. Un peu que des Mi-24 VP. D'artillerie en approche sur mes positions. Battez en retraite dans la zone de la caserne. J'enverrai Romanov après les tirs d'artillerie. Les prisonniers sont évacués vers les bois jusqu'à ce que les transports puissent venir les prendre. Govorit Malashenko, on va vers la caserne. Bien, capitaine. C'est l'épisode final. Une ici. Je vous donne aussi la priorité des tirs de soutien pour vous aider à défendre la position. Ils arrivent. Utilisez tous les tirs de soutien disponibles pour les détruire, lieutenant. Romanov, cherchez et détruisez l'artillerie de l'OTAN avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Bien joué, lieutenant. Continuez de chercher et de détruire. Mais attention aux défenses anti-aériennes de l'ennemi. Excellent, Romanov. Une autre unité d'artillerie mise hors service. La troisième est là. D'autres soldats autant en approche. Il y a un quatrième là-bas. Faites dans cet ordre-là. Parce qu'apparemment, quand je commence en haute ordre, à chaque fois, j'ai le succès qui ne va pas marcher. Bien joué, Romanov. Bien joué. Cela devrait nous donner un répit. Sokol 1, terminé. Donc là, faites dans l'ordre-là. Vous dégommez d'abord 5 gars. Et non pas en haute ordre, parce qu'apparemment, haute ordre ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, ça va être bien évidemment tranquille, hein. Et c'est vous dit qu'en stationnaire. Vous avez
Assaut au temps imminent. Mission de tir confirmée. Les coordonnées seront bombardées. Cette mission est quand même assez simple, mais bon, en quoi c'est le seul fait que je trouve que cette mission en fait est embêtante, c'est à cause de ce problème de succès, d'objectif secondaire qui ne veut pas se valider. Ils reviennent encore! Mais bon, on va dire que ça arrive et bug, on va faire avec. Alors ici, moi je vous conseille plutôt de mettre des tirs d'artillerie là. Ah je sais pas ce qu'il y avait. Parce qu'ici en fait, voilà, vous mettez deux frappes comme ça en fait, vous bloquez complètement en fait un traversé ennemi là. Ennemi à cette position là. Il ne doit pas leur rester grand chose, Romanov. Écrasez leur assaut et nous les forcerons à battre en retraite. Alors, le gros avantage des hélicos, c'est qu'ils sont très puissants, mais un gros souverain, c'est que vous ne pouvez pas enfin, capturer le point avec. L'OTAN va en retraite. Ne poursuivez pas l'ennemi. Mais mon oncle, nous devons. On nous a déclaré un propre combat, capitaine. Le 5e bataillon s'occupe de la poursuite. Je veux un rapport de perte dès que possible. Le camp est pour l'instant en sûreté. Finalement, j'ai réussi à faire cette mission, hein, après de nombreux problèmes. Mission accomplie. Votre maîtrise d'artillerie de soutien aérien a permis de protéger le camp et nos importants prisonniers. Avec la victoire décisive de nos forces près de Polyarthnik, cet exploit rappelle autant et risque de s'en prendre une terne attaque. Donc nous avons réussi tous les objectifs, dont celui-là qui m'a bien embêté à 5 reprises des tours d'artillerie ennemie. Ce que nous avons eu à base d'excellence des artilleurs et l'ordre de l'étoile rouge. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.